Bonjour tout le monde, ici Envol-moi 81 avec LT Gigi Giga. On est là pour l'épisode 8 de la saison 2 de The City. Salut LT. Je monte ton skin. Bonjour, ici LT Gigi Giga. Avec le creeper dans le dos en plus. Arrête de tourner s'il te plaît. Creeper dans le dos? Où ça? Où? Non mais t'as le logo de la tête de creeper en rouge dans ton dos. Je vais te montrer avec mon écran. Dans mon mood? Ouais. Ah putain, je l'ai pas marqué ça. Donc nous sommes là pour présenter des petites nouveautés sur la map. Enfin petites, elles sont quand même après un certain temps à faire. Ouais. Donc la première nouveauté qu'on va montrer, c'est l'usine automobile PNJ Motors. Waouh. Voilà. Avec comme vous le voyez. Pas si vite, je suis à pied moi. Voilà. Une route privée pour donc il y a un tronçon de route qui est privé uniquement pour l'usine, ça évite le bordel. Des feux tricolores qui permettent de contrôler les entrées-sorties. Par exemple, des camions qui viennent transporter les voitures. Voilà. C'est le gros bâtiment blanc. Avec le logo PNJ, une bagnole bizarre. Donc, on rentre dans l'usine. On a deux chaînes de montage qui montrent deux modèles de voitures différentes. Un modèle un peu très très basique. Et un peu plus travaillé. Mais ça reste du très basique. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ici. Alors, tu te permets de me dire. Ensuite, c'est du travail de cochon. Quoi, tu parles, c'est les PNJ qui fabriquent nos bagnoles. Ouais, non, mais c'est une des marques de voitures. Après, je ferais peut-être une usine plus grande, plus complète, qui prendra plus de temps à faire. J'en sais rien, ça. Alors, ici, on a un immeuble de bureau. Ici, celui-là, oui, regarde. Et on entre grâce à un ascenseur à eau qui est là-bas. Donc après, c'est pas impressionnant, il y a qu'un seul étage, c'est pas grand chose. C'est un étage de bureau qui est inspiré d'un immeuble de bureau fait récemment par Le Core Block. Je le cite souvent sur Minecraft PC, je m'inspire souvent de lui. Hein, parce qu'honnêtement, j'ai bien aimé. Surtout, j'ai bien aimé le style de la construction, qui a un plus beau rendu fait par lui et par le Texture Pack, parce qu'il a utilisé d'autres blocs que les miens. Et aussi j'aime bien le parking qu'il avait fait, honnêtement ça m'avait très plu, donc je m'en suis un peu inspiré. Donc je me suis inspiré et après j'ai fait à ma sauce. C'est très inspiré. Et bien sûr la construction est plus petite, beaucoup plus petite que l'originelle. Parce que après je sais pas les dimensions qu'il a utilisé parce qu'il est sur PC. Voilà, donc ici on a un autre immeuble, où il y a deux bureaux, il n'y a pas d'accès, celui-là, il n'y a pas de parking. Donc c'est. Par contre deux étages celui-là. Il est sur le même modèle que le premier. Ensuite, on a une tour banale, hein, comme j'en fais. Et ensuite, là, on a une usine pétrochimique, très, très simplette, mais qui a pris quand même pas mal de temps à faire avec les cheminées, notamment. Où ça? Là où je suis. Ah, bah moi, je vois pas. Je la vois pas, moi. Bon, pas grave, tu bouges pas, au pire. Tu bouges pas parce que si tu. Parce que j'ai peu de RAM, donc. Enfin, c'est pas une tablette gaming, donc tu bouges pas. Tu resteras là, je montre le reste. Au pire, tu regardes sur mon écran pour voir le reste. Voilà, pour commenter. Pour préciser, il y a toujours le même problème. Voilà, donc ici, voilà. Problème caractéristique de PE. Si ça se trouve, c'est pas un bug, c'est une façon d'optimiser le chargement des chunks parce que les appareils sur Android sont moins puissants, notamment. Donc, pas comme les PC qui peuvent gérer des gros serveurs. Notre map est lourde aussi, la The City quand même, c'est pas rien. Et il se peut du coup que tout souci a créé une sorte de bug volontaire ou involontaire qui fait que ben, c'est un problème de chargement. Ce bug existe depuis les 0.9x. Donc dès que les maps limitées ont été introduites. Hein. Avant ça n'existait pas sur les maps limitées 0.8. Hein. Juste une question, elle est où ta stupide usine de robots? Ah, l'usine de robots, c'était aller de l'autre côté de l'autre côté de la berge, tu vois. Donc là où la route là, tu vois que t'as une route qui fait un petit pont là où je suis. Retourne à l'usine PNJ Motors. Ok. Voilà. À la route du moins qui passe devant. Ah bah ouais. What the fuck. Ouais bah également la route c'est pareil hein. Bah ouais parce qu'en fait non c'est en fait c'est parce que c'est pas celle-là. C'est parce que là t'es dans le tronçon. Privé, j'aurais dû dire le tronçon que tout le monde peut rouler, c'est-à-dire celui-là, là où il y a la barrière. Celui qui passe devant le logo, j'aurais dû dire, pardon, c'est merde, ma faute. Hein. T'auras pas toute la guerre. Donc voilà. Je suis fait passer pour un abruti. Tu passes au-dessus du pont et tu l'as en vue l'usine de robots, regarde.
juste là. C'est le bâtiment avec trois cheminées et qui a des barres oranges. Ah oui. Toi, tu vas les visiter. Ouais, bon, il n'y a rien pour l'instant, mais l'accès est ouvert parce que tu sais, c'est une construction de robots, donc pour les faire sortir. Ça va être des robots de quoi? Robots de guerre? Robots industriels et militaires. Merde! Je croyais que tu préparais une invasion contre les extraterrestres. Non, mais justement, militaire. Ah, d'accord, un castagne, ok. Voilà, militaire, ça veut dire ce que ça veut dire. Et là, vous revoyez la magnifique banque qu'on a vue la dernière fois. Ouais. Donc ici, alors, je montre... Dis-moi, ça, c'est le fisc? Ça, c'est le commissariat. Je devrais mettre un logo, d'ailleurs, tu sais, les gyrophares. Et là, c'est le fisc. Ou une étoile. Ouais, une étoile, ou... Ouais, là, une étoile. Là, avec le signe rouge, c'est le fisc? Non, ça, c'est la banque au milieu, c'est à côté. C'est là où il y a la route. Ah, mais je comprends rien. Là, ce bâtiment-là, je te le montre. Regarde, là t'as la banque, là t'as ce bâtiment-là. Voilà, c'est celui-là, le fisc. Ah d'accord. Maintenant je vois. Tu pouvais pas dire que tu pouvais pas dire qu'il y avait une route sur le toit. Donc j'en profite de montrer un peu près un peu tout sur la map pour ceux qui l'avaient pas vu ou j'avais un peu montré tout. Je profite de refaire un speed général. Vas-y. J'entre dans le fisc. J'ai apporté plate. C'est pourquoi, monsieur? Je viens dénoncer mon voisin chinois. Votre voisin chinois, quel est son nom et son adresse? On le surnomme Trou du cul. D'accord. Et il travaille dans une usine, dans une entreprise de réparateur de matos informatique juste à côté de ma discothèque. D'accord. Bah merci monsieur, un agent du fisc va débarquer par la porte pour confirmer votre déposition. Bonjour monsieur, vous avez souhaité... Oh dégage toi. Bonjour monsieur, vous avez souhaité porter plainte, je me trompe? Ouais. Conduisez-nous à l'endroit de l'entreprise qui a fait la fraude. Oh putain, vous croyez que j'ai que ça à faire? Bon, c'est où déjà? Putain, faut que je me retrouve, bordel! Vous avez dit à côté de chez vous. Ouais, à côté de ma discothèque, j'en veux, mais je sais plus où elle est. Bon, on sait où elle est parce qu'on a déjà fait un tour pour vérifier que vous étiez en règle. Bon, bah allez-y. Donc, on sait où c'est. Merci, monsieur. Bon, bah allez-y, puis toute façon, ma discothèque, on est deux pour la gérer puisque mon copain DJ Flemmard qui revient de son séjour à Monaco, bah, a dit qu'il pouvait gérer la discothèque pendant que j'étais pas là. Personne? Oh. Ah, il a dû se barrer pour le Mexique. Non. Non, il est en train d'uriner juste devant le bâtiment du fisc. Oh, alors... Juste sur les murs. Chopez-le, on va lui coller 50 ans. Ok. Vite, il est en train d'échapper. Il va falloir que je sorte ma belle ambiance. Merci. Bonjour monsieur, vous n'avez pas vu un chinois qui vous ressemble d'ailleurs et qui est propriétaire du magasin informatique à côté? Juste à côté là, juste à l'avenue où il y a l'usine de robots. Vite, maintenant monsieur, il est en train de s'échapper. Vous avez le droit de le neutraliser. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Alors, truc nice, tu voulais que je me fasse malin, hein? Alors, non, en fait, c'est pas 50 ans de prison, c'est à peine de mort pour ce qu'il a fait. Parce qu'il a en plus, il a uriné. Donc. Je peux le tuer à coup de pelle? Allez-y, autorisation accordée. Bon, bah, c'était un petit délire hein, qu'on voulait faire. Donc, maintenant, je vais expliquer. Alors, cette route-là, ce sera un axe routier qui va relier New Bob Druid, hashtag la ville où on est en ce moment, à Liberty Cube, hashtag la ville précédente. Voilà. Donc j'espère qu'on se retrouvera pour l'épisode 9. Et il se peut que la semaine de la rentrée, vous n'ayez pas de The City, comme je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent. Donc la semaine prochaine, en gros. Ce n'est pas sûr. Il se peut que j'en fasse, hein. Il se peut que j'en fasse pas. Et aussi, cette vidéo sera réencodée via Unbreak en VP9, qui est le codec utilisé par YouTube dernièrement. Lors du passage en HTML5, YouTube, propriété de Google, pour ceux que ça intéresse. Si ça t'intéresse, vendredi prochain à 7h06, je suis libre. Hein. Bah, je verrai. Je suis libre à partir de 17h, de toute façon. Donc, du coup, cette vidéo a été un peu plus longue, du coup, que je croyais. Je voulais faire un truc genre 5 minutes, ça va faire 10 minutes. Et cette construction-là que je vous montre, qui est en cours, ça va être des résidences
Alors, soit des résidences, soit un petit genre motel ou un petit truc où on passe une ou deux nuits quand on est en voyage, un petit voyage d'affaires pour une petite boîte. Allez, on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao, ciao. Attends, je vais quitter maintenant. Donc, oui, j'ai oublié de dire quelque chose. C'était pour dire que votez sur Google Plus si vous voulez que je rase la forêt qui est juste devant. Bisous.